Radio M's. Salut, je m'appelle Antoine et toutes les semaines, je vous invite à découvrir de nouveaux artistes de la scène montreuilloise et de l'Est parisien dans Mélotonie, la chronique musicale qui s'intéresse aux artistes d'aujourd'hui et qui compte sur vous pour en faire les artistes de demain. Alors je vous donne rendez-vous le vendredi à 18h30 et le samedi à 11h ou bien en podcast sur Radio Ems. Aujourd'hui nous avons donc le plaisir de recevoir dans Mélotonie Nens. Bonjour Nens. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Donc Nens, tu es membre du groupe Le 4P et vous avez sorti en juin dernier un album intitulé Vivement Septembre. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton projet? Oui, alors donc c'est un EP déjà, avec 8 titres, 7 et demi on va dire. Et donc voilà, ça c'est un album qui parle de du quotidien, de la société, des histoires à raconter, des voilà. Ça peint, je trouve, une époque quoi. Voilà. Tu peux me faire une description un petit peu des gens qui sont impliqués dans le projet? Ouais. Alors donc il y a Papouf, c'est le beatmaker. Avec qui on est ensemble depuis 97-18. Donc c'est vraiment un ami d'enfance. Et il y a Didier. Didier, lui, il a fait la réalisation de l'album et puis il nous a accompagnés tout le long de l'épopée. Voilà. Donc le 4P, ça a été créé en gros en 98. Et c'était 4 potes à l'origine, voilà. Ce sont des potes d'enfance, de la maternelle, voire du primaire. Voilà. Et effectivement, cet album, qui est donc intitulé Vivement Septembre, comme tu le dis, dépeint une époque, il dépeint une période et il parle de la vraie vie, quoi, du quotidien, et qui se centre un petit peu aussi sur des personnes, sur des personnages. Ouais. Comment t'as eu l'idée, l'envie de parler de ça, de ce quotidien, de ça? Bah, en fait, moi, c'est mon, je sais pas, j'ai du mal à écrire pour, je sais pas, parce que des fois, il y a des gens qui font de la musique, moi, dans le rap, surtout, avec des personnages vraiment fictifs. Moi, c'est pas mon délire. Donc, du coup, c'est vraiment des gens inspirés de mon quotidien. Ou alors voilà, que je, ce que je vis, ce que je ressens, quoi, tout simplement. C'est pas. Et comme je vous rencontre beaucoup de gens dans mon taf du quotidien, je suis kiné, ostéo, voilà. Du coup j'ai plein de personnages en tête permanents, voilà, donc que j'essaie de retracer, soit un peu fictif, un peu remanié, ou la vérité, voilà. Tes inspirations, ouais, elles viennent de tes rencontres, des gens. Exactement. Que tu croises. Ouais. Par exemple Kifran dans l'album. Ouais. C'est un personnage, c'est un peu la descente aux enfers pour quelqu'un qui essaie de se rattraper à chaque fois. Et c'est des histoires que j'ai entendues, que j'ai. C'est peut-être un mélange de 4 personnes que j'ai croisées dans ma vie et qui en a fait un personnage de musique, quoi. Mais voilà. Finalement, presque tout y est, quoi. Après, ma tête, elle fait un truc et boum, il y a un personnage qui est presque réel qui sort. T'as l'impression, du coup, d'observer continuellement, tout le temps, les, ouais, les gens, les situations, où tu te dis, ah tiens, ça, je prends des notes. Comment ça se passe? Ouais, j'adore rencontrer les gens et parler de leur histoire, c'est mon truc, ça. Ouais. Puis dans mon taf, je fais beaucoup ça, quoi. Donc je rencontre des gens du monde entier qui me racontent leur expérience et j'engrange. Et à un moment, ça ressort sûrement, peut-être en musique, voilà, où je passe du temps avec les gens, parce que je suis pas dans le chiffre, faut que je fasse du chiffre. Et donc du coup on a de la chance vraiment de bosser et ouais, rentrer dans l'intime et partager les trucs, quoi, des vrais trucs. T'arrives à avoir l'équilibre, à gérer bien ton équilibre justement entre cette partie taf et puis le fait de faire de la musique, d'écrire de la musique à côté? Disons que si je commence à oublier la musique ou l'art, voilà, d'écrire, etc., je me rends compte au bout d'un moment que je me sens mal. C'est vraiment si j'ai pas ça, je sombre. Non, je sombre pas, mais je suis pas bien. Et des fois, je mets du temps à m'en rendre compte. Il faut que j'écrive, quoi. Et là, je repars. Ah ouais, putain, j'ai oublié d'écrire. Et après, effectivement, ce que je vis au quotidien fait que ça me donne envie d'écrire. Bon, après, c'est. Voilà. Non, mais des fois, il y a des histoires dures. Là, encore cette semaine, j'ai eu des trucs de fou, quoi. Et je suis rentré chez moi, je dis, wow, putain, quand même. Ouais, peut-être ça va ressortir un jour et dans une chanson, effectivement. Quand t'écris et quand tu décides de sortir un album comme ça, à quel point il y a cet équilibre-là qui se fait entre ce que j'écris pour moi et ce que je raconte aux autres? Ah, ça c'est une question que je me pose vachement en ce moment, en fait. Okay. Et je sais pas encore te donner la réponse. Et, tu vois, je me rends compte que dans ma vie, j'ai changé un peu de façon de voir la chose. Parce que dans un sens, je l'écris pour moi, parce que si je le fais pas, c'est presque vital. Ouais. Mais en même temps, si personne n'écoute, à quoi ça sert?
Je veux dire, si tu fais de l'art que pour toi, à la limite, fais-le pour toi, mais ne le partage même pas. Ok. Tu le laisses dans ta chambre et tu te l'écoutes si ça te fait du bien. Mais voilà, à partir du moment où tu le partages, quelque part, tu le fais pour les autres, quoi. Ouais, c'est important aussi. Pour toi, cette idée de partager. Ouais, ouais, carrément. Après, justement, ce que je voulais dire, c'est de... Et voilà, si ça parle à des gens, c'est cool, mais je vais pas faire de compromission pour que ça plaise. Pourquoi mais... l'album, il s'appelle Vivement Septembre ? C'est une chanson de l'album déjà. Ouais. Et je sais pas, en fait, on a réfléchi beaucoup et finalement, on trouvait que c'était. C'est genre la sortie d'un truc, toi, vivement septembre, il va se passer quelque chose. Ouais. Et normalement, on dit vivement le mois d'août, quoi, ou vivement le mois de juillet. Et c'est relou ce truc. Vivement les vacances, tu vois. À quoi bon, t'as la vie de tous les jours, là, faut essayer de la kiffer. Ouais. Au quotidien, tu vois. Ouais. Et vivement septembre, c'est un petit décalage, tu vois, de. Vivement le retour à. À la vraie vie du quotidien. À la vraie quoi. Vie, finalement. Ouais. Ce quotidien, est-ce qu'il est important pour toi parce que il y a des choses qui se passent qui sont crues, difficiles, ou aussi parce qu'il y a des moments de lumière et que. Ah ouais. Bah oui, on a autant en fait. Ouais. Comment t'arrives à trouver les moments de lumière dans le quotidien ? Après, c'est un équilibre global de toi, tu vois, ce que t'as travaillé dans ta vie pour être en paix, façon de parler, tu vois. Ouais. Bon. C'était des moments où je kiffe, je regarde le ciel, hein, voilà. Enfin, partout, j'essaie de l'avoir partout, quoi. Avec les gens que je croise, que j'aime, avec mes enfants, avec la musique, tu vois. Genre, je mets une instru, je commence à rapper, ça me fout des poils tout seul. Des fois, je suis tout seul, je kiffe. Voilà, bon, voilà. Si tu devais, en plus de ta musique, là en interview, aider les gens à trouver un petit peu de lumière dans leur quotidien, qu'est-ce que tu leur dirais ? Waouh. Ah, ça serait très présomptueux. Je pense vraiment que des fois il faut savoir fouiller et racler un peu la merde qu'il y a eu avant pour aller avoir trop cherché les lumières. Ouais. C'est difficile de partir sur une base malsaine ou difficile et d'espérer avoir un truc un peu. Il faut oser gratter, enlever les trucs dégueulasses, mettre les mains dans le cambouis et après la lumière un peu. Plus facilement apparaître, même si c'est pas gagné, mais il faut s'accrocher. Ouais, pas avoir peur d'aller chercher un petit peu non. Il faut les moments difficiles pour pouvoir trouver la lumière derrière. Exactement. C'est très beau. Merci. Découvrez-en plus sur le 4P dans le prochain épisode de Mélotonie. À bientôt. Radio M. Elle a rêvé toute l'année de ses 4 semaines de repos, à sa cage et ses lombaires pour un patron qui ne décroche pas un mot, père de môme, un garçon et une petite fille, marié à un fantôme qui aujourd'hui l'horripile vendu. Comme la petite famille modèle, elle en a plein le cul, préfère être pendue à l'hôtel. Dure loi du temps sur un couple trop vieux, un parftard en banlieue, pourtant ça rêvait d'autres cieux. Son homme la trompe, use de sa pioche avec une meuf bidon. Elle sent le souffle dans son dos, n'est-ce pas la laine de Cupidon. La béquille, c'est la picole pour encaisser la situation. Une alcoolique en devenir qui augmente sa consommation. Sur la route, bouchon sur la 6, bison futé va te faire foutre. La main tremble sur le volant, papa reçoit un SMS. Il sourit discrètement, c'est un message de sa maîtresse. Plusieurs mois, qui joue des airs d'accordéon. Maman n'a plus de respect, pourrait le traiter tous les noms. Tous en bagnole pour le bol d'air annuel. Famille en destruction, les enfants trinquent, oui c'est cruel. Pourquoi est-elle ici avec ses collègues d'embouteillage? Les mêmes visages que sur le périph' tous les matins, son voisinage. Un an d'économie, l'ami mobile home tout pourri. Location qui coûte le triple en nous dommage, mais c'est la vie. Elle voit
vois ces gamins qui sourient comme FAG Vinci qui au PH font braquage au fusil la plage. Et bondé, la viande fraîche s'y entasse. Monticule de corps rougi qui s'est empressé dans le sas. Ça se dort la pilule, ça s'endort en plein cagnard. Coup de soleil ridicule secoue le sable comme des connards. Elle étouffe, se sent collée à ses congénères. Entourée de cons, elle doit bouger avant que ça dégénère. Tous dans le moule, nu comme des vers parmi la foule. Dans sa gorge, elle sent la boule. S'ils viennent pas, le système s'écroule. Ils suivent tous en mouton la cohue des Haoutiens. Aujourd'hui, elle préfère être satellisée chez les Martiens. Ils font de la peine à la frontière du ridicule. La bouche grasse du haut beignet, se plaignant la canicule. Elle et les autres, et se supporte encore moins. Elle est partie nager et ne reverra plus les siens. Si vous avez aimé Vivement Septembre de Le 4P, alors découvrez-en plus sur eux dans Mélotonie.